Hop. 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 Voilà. Je m'appelle Nicolas Pellem. Je suis bûcheron débardeur au cheval. Et là, on intervient sur une coupe avec mon collègue Laurent Legal qui est derrière en tant que débardeur simplement. Les bois ont déjà été abattus et nous, on intervient pour les rapprocher bord de chemin au vu des conditions climatiques. Alors aujourd'hui, moi je travaille avec Sim, qui est à gauche, et Stella, deux traits ardennais qui prennent 14 ans cette année, là, au printemps. C'est pour le bois mené au cordeau, c'est une technique, on a une paire de rênes, comme pour les cavaliers. Cette paire de rênes, on l'a fait passer dans un anneau qui est relié à cette cordelette ici en cuir, qui nous permet de les guider avec de la précision et de la facilité. Là, je travaille avec un trinque-balle, ou parfois appelé un diable. L'intérêt de cet outil, on le voit, c'est de pouvoir soulever les grumes et soulager l'effort des chevaux. Le poids de la grume étant réparti principalement sur les roues et puis un tout petit peu à l'arrière par frottement pour maîtriser les trajectoires. Ça nous permet de soulager l'effort des chevaux plutôt qu'une grume qui frotte à même le sol. Donc on juge selon la taille des bois, les chevaux qu'on a, la distance et un ensemble de paramètres qui nous font juger. Soit on utilise le trinque-balle, soit on a Laurent qui est à côté, qui utilise ses trois chevaux en traîne directe, ou parfois les trois chevaux sur le trinque-balle, parce que les bois sont gros et lourds. Les bois à portée du grumier, qui est le poids lourd ou le super lourd qui va se charger d'emmener les bois vers leur zone de transformation. Du fait que le bûcheron soit passé avant nous, c'était initialement une exploitation qui était prévue mécanisée ici, et puis la météo a amené les donneurs d'ordre à intervenir avec le cheval pour préserver le sol forestier. On n'a pas du tout le même impact que les gros débardeurs. Mais la contrainte, c'est que le gros débardeur peut s'affranchir de ces obstacles en roulant dessus. Nous, on est obligé de faire de la place en permanence et on passe beaucoup de temps à déblayer manuellement et avec les chevaux pour avoir des couloirs sécurisés, des zones de dépôt sécurisées. Sur la parcelle, il y a un ensemble de produits qui ont été façonnés. Le produit, c'est le nom qu'on donne au bois une fois abattu et classé soit par le bûcheron, soit par les techniciens de l'ONF. Là, en l'occurrence, il y a une partie qui a été classée par les techniciens de l'ONF.
Il y a des codes couleurs qui nous permettent de les distinguer. Les traits roses ou les traits bleus, les ronds roses et les ronds bleus sont différentes qualités de bois de merrain. Le bois de merrain, c'est du bois avec un très beau fil. Et c'est dans ce bois-là qu'on sort les douelles qui permettent de fabriquer les tonneaux. C'est des produits de tonnellerie principalement. Mais pas seulement, on est dans le summum de la qualité. Et puis au-dessus, dans ce qu'on appelle la surbille, et puis parfois dès la bille de pied qui est ici, selon les chênes, là il s'agit d'essence, l'essence de l'arbre, c'est du chêne. Lorsqu'on a un flash jaune, le trait jaune, ça signifie qu'on est sur une qualité de charpente. Charpente, éventuellement menuiserie et traverse. Ce sont différents débouchés commerciaux pour les bois. Là, on est sur des bois qui ont une valeur significative. Et à côté de ça, on a des morceaux, on en a vu un peu plus loin, qui sont coupés en 4 mètres de long par le bûcheron. Ça, c'est destiné au bois de chauffe. Nous, on ne doit pas s'en occuper. On va s'occuper des bois de merrain, rose et bleu, et des bois de charpente en jaune, et les rapprocher bord de chemin le plus rapidement possible, de manière à ce que les acheteurs puissent récupérer ces bois et les valoriser avant que le printemps arrive et que des insectes, notamment, puissent venir dégrader le bois. Et comme on est sur des conditions très humides, c'est pour ça qu'on intervient ici dans cette configuration de chantier après bûcheron. Si on travaille avec des chevaux, c'est pour chercher des individualités, des tempéraments. Et on va le développer, ça, on ne veut pas les inhiber. On veut qu'ils conservent un tempérament, un caractère. Et nous, on se doit de jouer avec et de mettre cette force de tempérament, de caractère, au profit de ce qu'on considère comme un travail qui doit être pour eux un défi, un jeu. C'est l'essence de notre métier. Il y a plusieurs façons d'aborder les chevaux. Tu peux les asservir, gueuler tout le temps, râper dessus pour leur briser le moral et en faire des bêtes de somme. Soit en fait des compagnons, des partenaires avec lesquels des fois il peut y avoir des échanges un petit peu élevés de manière à remettre les ordres, mais ça c'est dans un souci de sécurité principalement. Il peut y avoir des petits temps de conflit, de discussion, mais c'est jamais très long. Ce qu'on va chercher, c'est des partenaires et puis de les permettre de s'épanouir avec leur tempérament, leurs forces et leurs défauts. À nous de composer. Donc le repas des chevaux, on fait une matinée de 4 heures de travail à peu près, et on arrive vers midi et demi. Donc on débride les chevaux, qu'ils puissent manger facilement, et puis on leur donne du foin, voilà, dans un premier temps. Et ensuite ils ont un aliment concentré, riche en énergie, parce qu'on leur demande des efforts quand même importants. Donc ils mangent selon les chevaux, il y a une ration qui est calculée en fonction de chaque animal, mais voilà, ils mangent des céréales. Voilà, et puis pendant ce temps-là, eh bien nous, pendant qu'il y en a un qui donne à manger aux chevaux, l'autre se soucie de notre repas, parce que c'est important aussi la pause pour tout le monde, les chevaux et les hommes. Et bien ce midi, en plus, on mange bien, et bon, comme bien souvent, parce que nous, on est quand même des gens qui aimons bien manger. Donc, c'est pas le sandwich, on cuisine de vrais plats et on prend un vrai temps de repos. Les chevaux soufflent et nous, on se restaure aussi, et tout le monde reprend dans la joie et la bonne humeur après, quoi. Là, je prépare ma tronçonneuse pour un affûtage. Comme on fait énormément de façonnage, pas d'abattage sur le coup, même si dans nos compétences, avec Laurent, on est en mesure d'abattre. Et ça fait partie de nos spécificités. Et c'est à nos yeux de cette manière-là qu'on réalise le mieux les chantiers, en abattant et en débusquant les bois, ce qu'on est en train de faire à flux tendu pour éviter de se promener dans les branches comme on le fait aujourd'hui et depuis quelques jours maintenant. Et à refaçonner les branches, refaire les chanfreins, préparer les culées. Les culées, c'est le côté du pied de l'arbre, de la grume qui est au sol. Donc là, je vais la chanfreiner tout autour, c'est-à-dire que je vais lui faire un biseau pour éviter, à cause de ses angles saillants, que ça pioche de trop en terre et que ça effectue une résistance inutile pour les chevaux. Bon, bah, la reprise des chanfreins, on peut être amené à toucher un peu. Des fois, je reprends les souches du bûcheron. Si jamais elles sont sur notre passage, je leur donne un biseau, encore une fois, pour que ça glisse, ça soit fluide. Bon, bah tout ça, c'est préjudiciable pour l'affûtage. Donc on est amené à réaffûter, à reprendre les chaînes régulièrement.
Ce qui me plaît dans une journée de travail avec les chevaux, des journées comme aujourd'hui, c'est les temps de complicité qu'on peut avoir avec nos animaux, que forcément on n'a pas avec la machine. Et puis c'est ces moments où on arrive à exécuter le beau geste, peut-être pas le geste parfait, ça serait prétentieux, mais le beau geste où on va avoir la fluidité, où on va avoir les deux ou les trois chevaux qui sont avec nous à tirer, qui vont s'exécuter juste. C'est pour ces instants-là qu'on aime se lever le matin et puis passer du temps avec nos animaux. Même si ça peut représenter ce geste juste, il peut être une fois ou deux dans la journée, c'est pas grave, on y retourne le lendemain et puis on travaille autour de ça. En plus, bien entendu, de l'intérêt écologique qu'on apporte avec des interventions comme les nôtres, en préservation des sols, tout en permettant d'avoir des produits de valeur. On ne détériore pas les bois qu'on sort, on détériore encore moins les bois qui restent sur pied, le peuplement restant. Tous ces petits facteurs cumulés, il y en a encore bien d'autres. Ça nous donne envie de venir le matin, surtout quand on a des petits chevaux qui viennent nous voir comme ça et qui cherchent la caresse. Les difficultés dans notre métier, c'est des instants comme j'ai pu vivre ce matin, où malgré toute l'application qu'on apporte, il manque ce petit quelque chose pour que, avec les chevaux, on soit dans le juste, dans la fluidité, toujours cette beauté du geste, parce que ça tamponne un peu sur un démarrage, parce qu'on a mal anticipé une trajectoire, et ça c'est des choses qui nous travaillent forcément quand on décide d'aller au bois avec les chevaux. Si on a choisi le cheval, c'est pour la relation, et on est attaché à ces individus-là, on n'a pas envie de les blesser. Et puis un autre élément évidemment qui compte, et notamment cet hiver qui est interminable, non pas par son froid mais par la pluie, quand on passe des journées entières sous la pluie, qu'on a les vêtements trempés, c'est des choses qui sont complexes, mais c'est pas pour autant que le lendemain matin on n'a pas envie d'y retourner, parce que ces petits temps-là avec, encore une fois, nos animaux dans des cadres comme celui-ci sur la forêt du Gavre, avec des bois de cette qualité, nous ça nous valorise. Mais les difficultés, elles sont sur la météo et puis les échecs qu'on peut avoir avec nos animaux.